Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la journée du jeudi 28 novembre 2019, toujours avec Les rêves enchantés de Lenormand de Kiro Marchetti aux éditions Exergue, toujours avec De vous à moi de Claude Alexis aux éditions Exergue aussi, et toujours avec les cartes de l'automne de l'oracle des métamorphoses d'Anne Guesquière. Allez, c'est parti! Alors, nous allons avoir l'hélice, la femme, le soleil au centre, la maison et l'arbre. Eh bien, écoutez, en ce jeudi, pour moi, il y a une réussite, il y a une prise de pouvoir, il y a une concrétisation, une matérialisation, on est au centre. Aujourd'hui, il y a de la réussite, du succès, en fait, hein, du succès, des projets, en fait, qui vont vraiment se concrétiser, se matérialiser et qui vont faire en sorte que, vous, dans le fort intérieur, que dans votre foyer, tout va bien. C'est une très belle journée. Il n'y a pas de problème. Si vous avez aujourd'hui des rendez-vous, ils devraient bien se dérouler. Si vous avez des rendez-vous médicaux, si vous avez des rendez-vous avec la justice, avec les impôts, avec l'administration en général, ça devrait bien se dérouler. Si aujourd'hui vous attendez des nouvelles, vu qu'on a vu, on avait les nouvelles dans le tirage, ça peut être ça aujourd'hui, des choses peuvent arriver à la maison, au foyer, qui seront de l'ordre de la construction, de l'ordre de la bonne nouvelle, de l'ordre de quelque chose qui se déroule très très bien. Allons prendre un petit peu De vous à moi de Claude Alexis, parce que là le tirage du Lenormand, bah voilà quoi. Ouais bah écoutez, hein, c'est pareil en fait, hein, aujourd'hui on a l'héritage, ça peut être un héritage, mais bon, c'est pas forcément ça. Ça peut être aussi quelque chose qui vous a été transmis et que vous allez utiliser. Ça peut être quelque chose pour lequel vous avez travaillé et qu'on va vous donner. C'est en fait ce dont vous avez le droit, en fait. Hein. On parle ici de à quoi vous avez le droit, à quoi vous pouvez prétendre. Et du coup, aujourd'hui, on nous dit que voilà, ça aura été un peu long et c'est peut-être pas encore fini. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut vous informer de cette réussite, que c'est bon, mais ça peut encore vous demander patience. Mais bon, au moins, ça sera officiel, vous voyez. Et donc, au moins, on saura. Et donc, on pourra se concentrer sur autre chose. On pourra avoir la vie d'un nouvel angle, en fait. Hein. Et puis, pour moi, ça concerne vraiment, on est dans le travail, on est dans l'administration, on est dans la justice, on est dans tout ce qui est concret. Cette semaine, il y a eu beaucoup de cartes de concret. Eh bien, au centre, on a la concrétisation. Le travail de bureau, on est dans le concret, on est dans l'élaboration, on est dans la paperasse, on est dans... On n'est pas au charbon, vous voyez. On est plutôt dans la logistique. Voilà. Moi, j'ai plutôt tendance à penser qu'aujourd'hui sera une belle journée. Alors, et quand c'est comme ça, j'ai pas grand-chose à dire, hein, si ce n'est succès, réussite, honneur des projets. Pour une femme aussi, peut-être. L'avancement dans un projet. Là, il y en a trop. On en a 4. 3, non, c'est un peu trop. Ouais, pour moi, au centre du tirage avec le soleil, on a des belles concrétisations. Hein, on a une belle matérialisation. On a aussi le fort intérieur qui se calme. Peut-être un brin de confiance en soi qui revient, en fait. Hein, en ce... jeudi 28 novembre. Voilà, donc nous allons avoir... J'ai des hauts et des bas. C'est le cycle de la lune, de la vie. J'accepte sans jugement les émotions qui me traversent. Donc là, on accepte le positif, on ne braque pas, on n'attend pas le négatif, évidemment. Hein. On profite. Voilà, sur ce, je vous embrasse très fort et donc on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut !